Sauter, réalisateur français. Avant de s'inscrire à l'Institut des hautes études cinématographiques, bien Claude Sauter est passé par les Beaux-Arts. Et puis ce sera le cinéma, avec auparavant quand même une parenthèse de 1947 à 1949, le temps d'assurer la critique musicale au journal Combat. Car la musique fait partie intégrante de sa vie, il est notamment l'un des grands spécialistes de la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qui ne l'empêche pas d'aimer le jazz. Mais revenons au cinéma. C'est à 27 ans qu'il réalise sa première œuvre, un court-métrage intitulé « Nous n'irons plus au bois ». Et puis les longs-métrages vont se succéder, « Bonjour sourire »,« Classe tourisme »,« L'arme à gauche », »,« Les choses de la vie », »,« Max et les ferrailleurs ». Et puis ce sera « César et Rosalie »,« Vincent, François, Paul et les autres », »,« Mado » et enfin son dernier film, « Une histoire simple », des films qui ont été récompensés par le prix de Luc, le prix du cinéma français, le prix Jean Cocteau. Claude Sautet peut être considéré comme co-auteur, comme l'un des meilleurs constructeurs d'histoire et comme metteur en scène, comme l'un des meilleurs directeurs d'acteurs. Quant au style, ou plus exactement au climat de ses films, il est souvent caractérisé par la bande, le groupe, évoluant sur toile de fond sociologique très présente. Bref, un artisan ayant le souci du travail bien fait, qui sait regarder les problèmes de son époque et les transcrire avec sensibilité et lucidité au plus grand nombre, lequel se reconnaît souvent dans les vies de Vincent, François, Paul, Mado, Marie et les autres. D'accord avec le résumé ? On peut faire des objections, c'est pas interdit du tout. Mais alors, ce qui frappe, Claude Sautet, vous avez eu le choix quand même. Le cinéma, ça n'a pas été la vocation immédiate. Je viens d'énumérer un petit peu vos différentes escales. Non, ça n'a pas des vacations immédiates. Quand j'étais enfant, je ne pensais pas même faire le cinéma. Non. Quand j'étais tout petit, je voulais être un clown ou évêque. Vous voyez, c'était... Non, c'est surtout que je ne réussissais pas beaucoup dans mes études. Alors, ma mère m'avait dit, essaie de faire autre chose. Alors, j'ai pris des leçons de dessin. Puis, j'étais pas très doué en dessin. Alors, on m'avait fait faire du modelage. Et puis, je me suis présenté, quand j'ai raté mon bac, je me suis présenté aux Arts Déco. Et puis, j'ai été reçu premier en sculpture. Alors... Ça m'a soulagé. Ça n'a pas été suffisant pour... Non, mais je me suis dit, bon, alors, je ne raterai pas tout. Seulement, l'ennui, c'est que la sculpture, ça ne nourrit pas son homme. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans d'école, je ne voyais pas très bien ce que je pourrais faire et comment gagner ma vie. Alors, à ce moment-là, je commençais à aller beaucoup au cinéma et je rêvais d'être monteur. Quoi. Je ne comprenais pas comment se faisaient les films. Je n'arrivais pas à voir comment un film était fait. Alors, j'ai cherché à être assistant monteur. Alors, évidemment, comme toujours, on cherche et on n'arrive pas. Ouais. Un jour, on m'a envoyé voir un monteur à Épinay qui m'a dit « Oui, peut-être, comme stagiaire, on pourra, mais pour ça, vous avez une carte de travail. » Alors, j'ai été remplir une carte de travail, j'ai écrit « monteur » dessus. Et 8 jours après, c'était pendant la guerre, j'étais convoqué par la commandanture. Ils m'ont considéré comme monteur-ajusteur pour m'envoyer en Allemagne. Alors donc... C'était mes premiers adieux au cinéma. Et je suis parti à l'époque dans le Jura, je me suis occupé d'un centre d'enfants de délinquants. Et puis il y a eu la résistance à la fin de la guerre. Et puis combat alors. Ah, après, le combat, après oui, la guerre, j'ai pas un sou. J'ai travaillé, je sais pas, moi, dans l'entraide française à Auxerre pendant 12 mois. Puis on ne pouvait pas entrer dans le cinéma parce qu'à ce moment-là, on était obligé de passer par une école. Alors j'ai préparé le concours de l'IDEC. Institut des hautes études cinématographiques. Voilà, c'est ça. J'ai été reçu, j'y suis resté un an et demi. Vous avez appris des choses essentielles? Non, pas beaucoup. À l'époque, c'était important parce qu'on ne voyait pas beaucoup de films. Alors la plupart du temps, la moitié des cours étaient des films qu'on projetait. Donc maintenant, on voit les ciné-clubs, les cinémas spécialisés. À l'époque, on en voyait très peu. Et la musique, vous aviez une culture musicale très forte? Oui, je suis mélomane, quoi. C'est ma passion. C'est-à-dire, je crois même que je préfère la musique au cinéma, je crois. Oui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer sur mes films parce que je les conçois plus d'une façon musicale que d'une façon littéraire ou explicite. Oui. Alors ça m'embarrasse toujours quand je parle de mes films parce que je ne sais pas expliquer ce qu'il y a dans mes films. C'est plutôt la façon dont ils se déroulent qui m'intéresse. Vous auriez aimé tourner un film, je ne sais pas, de faire ce qu'a fait Bergman avec Mozart ou ce que vient non. de faire Lozay avec... Non, pas du tout, non. C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que la musique est un art de durée. Non explicite, c'est-à-dire que le sujet, on ne sait plus très bien ce que c'est, sauf que c'est un ordre de sensations produit par des sons, qu'on appelle la musique, et que le cinéma, d'une certaine manière, est aussi un art de durée qui est par l'image, qui comprend des tas d'éléments, mais ce n'est pas forcément le sens d'un film qui nous touche, c'est la façon dont il est fait. C'est-à-dire que si on voit Le Faucon Maltais de Houston ou Le Grand Sommeil de
de Hawks, personne n'est spécialement passionné par le sujet. C'est bien la façon dont le film est fait qui fait qu'on trouve que c'est un beau film. Mmh. Alors le cinéma, pour moi, c'est quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'un compositeur, puisque nous sommes sur la musique, qu'un compositeur comme Philippe Sartre, qui est votre compositeur, qui fait partie de la bande à Sautet, doit trouver une compréhension pour sa musique auprès du réalisateur, ce qui n'est pas souvent le cas, d'ailleurs, il faut bien le dire, de ces pauvres compositeurs qui... Ah ben, le cas de Philippe Sartre, c'est, oui, c'est parce que le contraire de moi, lui, c'est le cinéma qui le passionne, c'est pas tellement la musique. C'est-à-dire que lui, il vient au Roche, il adore les films, c'est un amateur de cinéma, plus amateur de cinéma que moi. Alors, pour lui, la musique est un. Il sait très bien que c'est pas un élément dominant, c'est un élément aussi important, mais pas plus important. C'est l'humilité. Que le dialogue, que la prise de vue, que le cadrage, que la direction d'acteur. Ça fait partie d'un tout. Par exemple, quand avec Dabadi, vous travaillez sur le scénario, est-ce que vous pensez, vous dites, tiens, voilà, on va laisser une plage musicale là sur cette séquence, ou est-ce que finalement vous le découvrez après le montage, tiens, on va mettre de la musique là, comme ça se fait la plupart du temps hein. C'est le cas de choses. De toute façon, quand je travaille avec Dabadi, on ne pense pas du tout aux questions musicales, on cherche plutôt à cerner les personnages, c'est tout ça qui nous intéresse. Après, dans l'écriture finale, évidemment, je prévois des plages dans lesquelles... Des respirations, oui. Oui, c'est pas des respirations, c'est qu'il y a des moments où je n'ai pas envie d'entendre ni le dialogue, ni autre chose, et que je sens que la musique donne une épaisseur à l'image elle-même. Mm-hmm. Alors oui, c'est prévu au départ. Oui. Bon. Je ne sais jamais laquelle, mais je sais que c'est prévu. Alors finalement, l'IDEC, mais aussi un travail sur le tas. Vous avez travaillé avec des gens peut-être que le grand public maintenant, les générations qui ne connaissent pas, mais des gens comme, je ne sais pas, je cite, là, j'ai relevé Lefranc, Devèvre, etc. J'ai travaillé avec une quinzaine de metteurs en scène dont on ne sait plus les noms. Important ça, cet apprentissage de terrain? Important dans un sens, parce qu'évidemment, on apprend beaucoup même en travaillant sur de pas très bons films, parce qu'on voit toujours qu'on pourrait faire mieux. Et en même temps, un peu déprimant, parce que surtout à l'époque, on a l'impression que les metteurs en scène étaient totalement assujettis. C'est-à-dire qu'il y avait un scénario fait par le producteur, commandé par le producteur, et des dialoguistes, etc. Et puis on donnait le scénario à ces metteurs en scène qui se débattaient comme ils pouvaient, avec des choses qui se sentaient plus ou moins, donc qui tournaient avec plus ou moins de passion. Enfin, c'était un cinéma de routine, et ça m'avait beaucoup déprimé. Ça se passe autour des années 50, ça, hein? Oh oui, jusqu'à 58, oui. Donc un cinéma français de l'époque que vous jugez... C'est à ce moment-là qu'il y a eu la nouvelle vague, après, ce qui a tout changé. Oui, qui a tout changé. Non pas que tout soit à la nouvelle vague, mais elle a redonné de l'air, elle a obligé les cinéastes à s'engager dans leurs films, quoi. Pas des routiniers du tournage. Si on devait résumer un petit peu, quel est le film ou le cinéaste qui vous a finalement donné vraiment envie d'être cinéaste vous-même? Oh là là, c'est compliqué, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Oh non. Mais quels sont les deux ou trois détonateurs, si je puis dire? Enfin, des détonateurs de vocation ou de désir? Non, il y a une masse, des centaines de films américains d'avant la guerre. Et chez les Français? Français, oui, il y avait Renoir, quoi, c'est sûr. Vous avez été impressionné par la nouvelle vague? Becker, hein? Vous avez été impressionné par la nouvelle vague? Ah oui, très, 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 c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, le premier film de Godard, c'est très impressionnant. Mm-hmm. Puis ça a compté énormément. Enfin, on peut dire que... Vous parlez 60 de à 68. Vous parlez d'à bout de souffle, là. D'à bout de souffle jusqu'à 68, ouais. Jusqu'à la chinoise. Quoi. Ouais. Il y avait une espèce d'éclatement dans la façon de tourner et dans le contenu, enfin, qui était jusqu'à 68. Quoi. Ouais. Alors, au départ, finalement, vous aviez la réputation d'être, comme il y a des SOS pour différents secteurs, il y avait un scénario qui ne marchait pas, ça n'allait pas, on appelait Claude Sautet, venez nous rafistoler ça. Ouais, c'est-à-dire qu'après que la Story, qui était un film criminel de gangster qui a eu une grosse réputation... L'influence Melville, ça Non, Melville, c'est après. Ouais. Non, c'est Melville qui était influencé par la Story. C'est l'inverse. Ouais. Et donc après, on ne proposait que des ressuscités de classe touriste, donc j'avais pas envie de les faire. Alors donc je me trouvais sans travail. Alors je m'étais aperçu quand j'étais assistant du hiatus qu'il y a souvent entre un scénario et un metteur en scène, il y a des trous, parce que le scénariste n'est plus là, il s'en fout, parce que le scénario est livré, le metteur en scène ne sait pas comment s'en tirer. Alors j'ai commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire à chercher le rapport en comment modifier un scénario fini par rapport à la personnalité d'un metteur en scène. Puis petit à petit, je suis devenu co-scénariste, et puis ça m'intéressait, ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien voir
des cinéastes qui avaient des problèmes, parce que c'est un problème, quand on veut exprimer une chose qui est confuse, qui est abstraite, comment la rendre concrète. Alors ça m'a passionné, j'ai fait ça, oui, pendant près de 8-9 ans. Mais il y a des films que vous avez participé, on peut en citer, La vie de château, La vie de château, pas la queue, pas la queue, et surtout, La chamade. Oui, La chamade aussi. Les mariés de l'an 2. Oui, 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 enfin, oui, beaucoup, beaucoup. Vous pensez que... Mais ça dépendait des metteurs en scène, c'est-à-dire que... Ouais. On peut aider un metteur en scène si se laisse aider. Si ça ne se pas aider, on ne peut rien faire. Vous pensez que, qu'il est souhaitable, finalement, qu'un metteur en scène soit co-auteur du scénario Parce que, bon, dans le cinéma actuel, ça se fait beaucoup, c'est presque généralisé. Ce ne fut pas toujours le cas. Hein. Non, ce n'est pas le cas. On peut dire que la grande guerre du cinéma américain, les metteurs en scène n'étaient pas vraiment leurs scénaristes. Ils avaient des auteurs et des staffs, ce qu'on appelle, qui dépendait du producteur, mais dès qu'un metteur en scène avait de la personnalité, même sur un scénario qui lui était imposé, il l'arrangeait à sa manière. Sans ça, tous les films se ressembleraient. Alors, un film de Walsh n'est pas un film dont je ne nommerai pas. Quoi. Les noms qui sont restés du grand cinéma américain d'avant-guerre, il y avait une différence entre ce qu'on appelait les routiniers et ceux qui avaient de la personnalité, donc ils influençaient sur le scénario. Oui. Mais maintenant, vous trouveriez, je ne sais pas, en librairie, un ouvrage tout à fait remarquable qui vous plairait à la lecture. Est-ce que vous pourriez imaginer de le tourner sans en être sans être l'auteur du scénario original? Mais quand ça arrive, si vous prenez Polanski, quand il a pris Rosemary Baby, il a pris le livre, il a tourné tel quel. Je ne parle pas de Polanski, je parle de vous. Ah bah oui, mais si ça se trouve, tant mieux. Non, parce qu'on a l'impression que maintenant, Dabadi-Sautet, c'est un tel tandem qu'on n'imagine pas... Non, j'ai fait des films sans Dabadi, non, je crois pas, non, je n'ai pas de religion là-dessus, non. Moi, je suis prêt, je ne sais pas, c'est une question de rencontre. Vous savez, souvent, on fait des scénarios tout seul parce qu'on ne trouve pas le sujet qu'on cherche. Oui. Oui, c'est ça souvent. C'est vous. On rêve d'un film qui n'existe pas, alors on finit par l'inventer. C'est vous qui avez finalement débauché Dabadi de la littérature et de la chanson pour l'amener au cinéma? Oui, à l'époque, il écrivait des sketchs pour Bedos quand je l'ai rencontré, oui. Oui, on avait travaillé plusieurs fois sur des scénarios pour d'autres et ces films ne se faisaient pas. Alors on en avait commencé à avoir une grande habitude de travailler ensemble, quoi. On s'entendait une certaine rigueur dans les constructions. Mais alors, par exemple, comment ça se passe, ce travail de co-scénariste? Je crois que ça, c'est assez mystérieux pour le public. Est-ce que chacun prend un personnage, travaille dessus? Comment ça, cette alchimie naît? Non, il y a 36 façons. Moi, j'ai travaillé en Italie, on travaillait à 4-5 sur un scénario. Donc, il y en avait un qui assurait la construction, l'autre qui assurait certains dialogues de personnages qu'il touchait, d'autres qui décrivaient des petits personnages. Mais quand on travaille à 2 ou 3, en général, on assume tout à la fois. Je veux dire, on écrit un bout, on le repasse à l'autre, on le recorrige, on le reprend. Mmh. Ça fait une espèce de volume qui finit par faire le script, quoi. Oui, mais alors ça implique une complicité absolument fantastique. Ah ben, il faut travailler tout le temps ensemble. On travaille 8 heures par jour, quoi. Oui, c'est sûr. Quelquefois, samedi, dimanche, oui. Il y a des affrontements. On se quitte pas. Il y a des affrontements sur les personnages. On s'engueule. Comment ils font, on boude. Oui, c'est sûr, on n'est pas d'accord. Et puis, c'est très vivant, quoi. C'est un rapport... passionnant. Quoi. Alors, par exemple, on va prendre un exemple très concret. Le personnage de Marie de votre dernier film, Une histoire simple, Marie qui a 40 ans et qui fait le bilan de sa vie, qui fait le point. Ce personnage de Marie, alors, je veux dire, qui est le père de Marie? C'est Sautet, c'est Dabadi? Quelle est la part de chacun là? Non, à l'origine, c'est forcément moi, parce que c'est moi qui ai promis à Romy Schneider de faire un film quand elle aurait 40 ans. Cadeau. Alors, j'avais promis ça après à César Rosalie. Alors qu'en même temps, j'avais fait des portraits de femmes dans Vincent, François, Paul, même dans Mado. Parce que dans Mado, j'avais fait une scène... Quelle scène? Que j'avais écrit. Ben, ce personnage a fini par mûrir d'une façon souterraine. Et quand j'ai vu Jean-Louis Dabadi, je lui ai dit, voilà, je vais faire un portrait d'un certain type de femme qui serait ce... Enfin, je ne sais pas l'écrire maintenant. Quel serait ce caractère de femme que je voudrais prendre au moment où elle aura 40 ans, où elle se trouve en situation de rupture avec l'homme avec lequel elle vit. Et puis, à partir de là, on ne savait pas la suite. La suite, c'est la discussion qui l'a engendrée. On voit une séquence d'une histoire simple, justement. Oui, c'est une scène, ce qu'on appelle des scènes de passage dans le film. C'est pas une scène qui est dramatique en elle-même, mais elle a une très grosse importance, parce que dans ce qui précède, le personnage de Romy Schneider, Marie, a assisté à quelque chose qui l'a énormément impressionné, c'est que Jérôme, qui vient de rentrer, a tenté de se suicider, et avec sa femme, elle se sont battues pour le faire vomir. Et en même temps, le lendemain matin, elle voit arriver Claude Brasseur, dont elle a rompu au début du film, et qui n'accepte pas, et qui ne veut pas comprendre que c'est fini. Et alors, quand elle est dans la cuisine,
elle est contrariée parce que Claude Brasseur est venu, sans la prévenir, et en même temps, elle voit arriver à la fin ce Jérôme qui a un visage encore un peu morbide, et ça a une très grosse importance au sujet du film, c'est-à-dire que c'est contre cette espèce, c'est pour lutter contre le symbole morbide de Jérôme qu'elle voudra avoir un enfant et le garder avec ou sans homme. Ce qui est important, c'est que ton châssis n'est pas la forme d'un as de carreau. Voilà. Si le type a eu un accident, le châssis a plus exactement la forme d'un rectangle, mais un peu d'un losange, comme ça, enfin à quelques millimètres près. Plusieurs pendant, c'est le prix. Alors, 1500 balles pour une 65. Tiens, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Comment ça va? Ça va? Et toi, t'as l'air en pleine forme. Oui, très. T'as envie 3 heures. Je joue aux cartes toute la nuit. Tu veux pas savoir avec qui? Non. Alors, j'ai rencontré ces messieurs dames au village. Oui. Oh, il y a une fée derrière toi, là. Au chocolat. Crème. Allez, tout le monde dehors. Laurent. Tiens. C'est terminé? Qu'est-ce que c'est ce chien là? Ouais, c'est le chien de Denisol, je l'ai amené pour le faire courir. Non, on lui donne rien, c'est un mendiant. Ouais, il peut me dire quand même que vous voulez acheter une voiture. Il semble que je suis placé là, non? J'ai eu tort. Non, tu m'as pas parlé de l'embrayage. On va regarder les plateaux. Ouais, ouais, la seule chose c'est le farouche. Quand il y a le farouche. Bonjour. Ah, Jérôme, mes respects. Tu es là, toi? Ouais, je suis là. Quoi, qu'est-ce qu'il a, ton phare gauche? Je sais pas, c'est les codes, ils s'allument pas du tout, et puis il y a les avertisseurs qui marchent pas. Ah, le code, c'est un peu compliqué, ça, mais l'avertisseur, on peut voir ça ensemble. T'as les clés? Mm-hmm. Allez, viens, on y va. Allez, Ulysse, allez, viens. Il est sportif comme Fian, au moins, il est pas comme Denisol. À la tirette, là. Revenons à la réalisation. Vous êtes notamment, entre autres, très à l'aise quand vous avez des scènes de 5, 6, 7, même 8 personnages à la fois. C'est pas que je suis à l'aise. Bah, enfin, vous en donnez l'impression. Hein. Mais non, c'est parce que par moments, j'ai l'impression qu'un personnage n'existe pas assez si je ne vois pas les gens qui l'entourent. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je dois vous connaître, vous vraiment, il faudrait que je connaisse autre chose que le monsieur que j'ai en face de moi. C'est-à-dire qui vous fréquentez, vos amis, la famille, enfin, ce qui fait vous. Alors, je suis entraîné, quand je veux faire un portrait de quelqu'un, à décrire donc les gens qui sont autour. Et dans la vie, les gens restent rarement seuls. Ils sont confrontés aux gens avec qui ils travaillent, au milieu. Enfin, évidemment, dans mes films, il y a toujours des cafés, des bistrots, des groupes. Parce que des c'est groupes, très rare groupes, qu'on reste une année entière tout seul dans la rue et dans sa chambre. On fréquente d'autres gens. Alors la difficulté au niveau du scénario, je pense qu'il n'y a pas d'improvisation au moment du tournage, au niveau du scénario, au niveau de tous ces personnages que j'appellerais étoiles de fond, mais qui sont ô combien présents car ils éclairent votre personnage principal, ça doit être extrêmement machiavélique de leur donner l'importance qu'il faut, ni plus ni moins, l'équilibre en quelque sorte. Oui, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Là je crois que alors, justement, l'influence musicale est importante pour moi parce que, comme vous le savez, en musique, il n'y a jamais qu'un instrument qui joue une seule note, mais il y en a beaucoup d'autres qui en jouent en même temps. Eh bien, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'il arrive qu'au moment du tournage, tout à coup, vous sentiez, tiens, lui, je l'ai pas assez, on va rajouter un peu, enfin plus... Oh oui, ça se module d'une façon pratique. De toute façon, quand je tourne, je ne sais jamais le matin comment j'ai tourné. J'ai le trac toute la nuit, le matin, je ne sais jamais où je vais me mettre, comment je vais organiser tout ça. Et j'ai un vrai trac, c'est-à-dire j'ai un état nerveux très grand. Enfin, et j'essaye concrètement, petit à petit, d'organiser tout ça pour que ça soit d'abord tout à fait naturel et que les acteurs puissent jouer de façon spontanée et qu'en même temps, ce soit clair pour les spectateurs. Alors, ce qui paraît toujours très mystérieux au niveau comme ça d'un groupe d'acteurs, enfin la bande, je veux dire, qui est l'une des caractéristiques de vos films, enfin de certains, comment vous arrivez à créer, je crois, ce qui fera beaucoup de spectateurs, cette espèce de complicité entre ces gens quoi qui jouent quoi bon ils jouent. Ben il faut comment vous procédez, vous les réunissez tous non comment ça se passe? Il faut beaucoup se donner quoi, c'est-à-dire que vous les voyez un peu quand on commence à répéter, il faut beaucoup se donner, il faut beaucoup exiger, il faut pas être satisfait parce que ça c'est un truc, ça c'est un procédé, c'est pas assez vrai, c'est pas assez vivant, on recommence. Non, oui, il faut... Mais vous les prenez un par un pour leur expliquer le rôle ou... Oh non, c'est en général, un par un, c'est avant. Au moment où je choisis des acteurs, en général. Tout se passe avant le tournage. Je les vois très souvent, je discute, on parle de tout, même pas seulement du scénario, de la vie, de tout. Et puis, les passages qui sont importants du personnage qu'ils vont jouer, quand je suis bien inspiré, j'en parle. Et puis, je sens quand ils sont
impressionnés quand ils l'ont bien compris. Et en général, au tournage, ils sont les personnages. Ouais. Alors, c'est uniquement qu'au moment de tourner, ils se livrent sans pudeur. C'est ça qui est important. Alors, vous avez cette réputation, c'est pas moi qui l'invente, d'être un des grands directeurs d'acteurs. Alors, la question vraiment simple, mais si vous pouviez bien l'expliciter, tout au moins au niveau de la réponse, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une direction d'acteur ? Ben, on n'en sait rien, c'est très vague. C'est pas qu'on fait 1, 2, 3 et... Non, c'est ce que La direction d'acteur, au départ, ça commence déjà quand on choisit les acteurs. Quand on choisit bien les acteurs par rapport au personnage, on a déjà fait presque 50% du travail. Mais vous les choisissez au moment où vous écrivez avec Dabadi, j'imagine. Vous écrivez pour quelqu'un. Non, quelquefois, il y a des personnages qu'on écrit, on n'a pas trouvé l'acteur, et quelquefois, on a trouvé l'acteur. Très souvent, je rectifie quand j'ai trouvé un acteur et qu'il y a des choses... Et qu'il y a des choses dans le personnage de l'acteur qui ne collent pas à ce qu'on a écrit dans les formulations. On corrige. Tout l'essentiel est écrit. Mais plus on va vers la fin du scénario, plus je choisis des acteurs de façon à savoir qui va les jouer. Mais ce qui est important, c'est que l'on prenne un acteur en fonction d'un rôle écrit ou qu'on écrive un rôle pour un acteur, c'est qu'on ne peut pas utiliser un acteur pour sa technique seulement de comédien, mais pour ce qu'il est comme personnage dans la vie. C'est-à-dire que quand j'ai tourné, par exemple, avec Montand dans César Rosalie, c'est que je l'avais rencontré et qui m'avait frappé. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout le personnage que je croyais qu'il était, mais un type beaucoup plus enfantin, beaucoup plus spontané, un peu menteur. C'est tout ce côté-là qui m'avait frappé. Alors ça m'a poussé. J'ai traité sur cette personnalité-là et non pas sur un monsieur qui jouerait un intellectuel cultivé, ce qu'il n'est pas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? De même que je pouvais pas imaginer avec Piccoli le faisant jouer un prolétaire qui transporte des poutres. C'est un certain personnage avec un certain caractère qui date de l'enfance. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans l'acteur, c'est ce qui remonte à sa constitution d'enfance. Alors là, on touche sa personnalité et là, il a des choses à sortir. Sur votre conception du cinéma, je crois qu'il y a une chose intéressante. Vous aviez déclaré il y a bien longtemps, en 65, vous voyez ça, hein, j'étais cherché loin. Non, mais je pense, je voudrais savoir s'il y a une évolution. Vous citiez, en gros, je vous cite, ce qui compte, c'est de choisir les références extra-cinématographiques, car moins un film nous ramène à la littérature, à la peinture ou au théâtre, plus il est du cinéma. Oui, ça, je pense ça réellement. C'est-à-dire que... il y a de très beaux films, mais dans lesquels je suis gêné parce que le film est trop pictural, il ressemble trop à de la peinture, ou bien il est trop littéraire, ou bien il est trop théâtral. Alors, ce qui m'avait toujours frappé dans le cinéma américain que j'aimais, c'était qu'il avait une brutalité dans la façon de filmer, et on ne pensait ni à peinture, ni à musique, ni à théâtre, ni à opéra, ni à littérature. C'était de la vie filmée, c'est ça. C'est les moyens du cinéma lui-même. Alors on peut dire que moins un film fait appel à d'autres disciplines, oui. Eh bien plus il est cinéma, plus il est proprement du cinéma. Bon, alors maintenant, je crois que, je le disais en début, la boucle est bouclée, quoi, des choses de la vie à une histoire simple. Bon, est-ce que vous allez toujours travailler, je dirais, dans ce registre ? Et quels sont les... Ben, y a peut-être des fantasmes de sujets que Claude Sautet a, mais qui n'osent pas voir. Non, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Moi, je ne sais jamais ce que je vais faire. Avant de faire un film, je ne sais jamais très bien ce qu'il va être. En plus, j'essaie toujours de faire différent. Et quand ça se ressemble, je suis plutôt embêté. Mais en fait, j'essaie de faire différent. Par exemple, je me dis, le prochain film, il faudrait qu'il y ait moins de personnages, moins de groupes, que ce soit des scènes plus simples, parce que... Ouais. Parce que j'en ai trop fait là pour l'instant. Là. Bon, vous êtes rentré dans le cinéma, vous nous l'avez expliqué un petit peu au début de cet entretien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tentations finalement dans d'autres domaines ? Est-ce que ce mariage avec le cinéma et vous est dans une durée limitée ou Est-ce que je peux m'arrêter un jour ? Oui, vous avez envie de faire autre chose ? Oui, c'est très possible. C'est très possible que je m'arrête un jour, que je dise ça suffit. C'est très possible. Mais j'en sais rien. Je me dis seulement, c'est possible. Je n'en serais pas malheureux, non, pas du tout. Je trouve que la vie... Je pense que pour l'instant, faire des films comme je l'ai fait, c'est une chance, c'est un privilège. Alors, je remercie le ciel, voilà ce que je pense.